Rigobert Song ne sera plus le prochain sélectionneur des Lions Indomptables dès le 26 février 2024 et ses potentiels successeurs sont déjà connus. Cette information, bien que n'ayant pas encore été confirmée pour le moment, a été relayée par de grands magazines sportifs tels que RMC Sport ou encore SoFoot et les potentiels successeurs de l'homme du danger ont également été dévoilés. Dans cette vidéo, nous allons vous dévoiler les 6 managers sélectionneurs actuellement dans le viseur des autorités camerounaises en vue d'un remplacement de Rigobert Song au poste de manager sélectionneur de l'équipe senior de football du Cameroun. Si vous êtes nouveau sur la chaîne 100% Actu 237, n'hésitez pas de nous suivre pour ne rien rater de l'actualité camerounaise. Dans cette liste d'entraîneurs dévoilée par le journal camerounais The Guardian Post dans sa parution du 5 février 2024, nous avons en 6e position José Mourinho. Si l'on s'en tient en ce journal, le très célèbre technicien portugais de 61 ans pourrait rejoindre la tanière des Lions Indomptables en vue de reconstruire et de réorganiser l'équipe nationale du Cameroun, éliminée en 8e de finale de la CAN Total Energy Côte d'Ivoire 2023. En 5e position, nous avons Patrick Mboma. Titulaire d'un diplôme UEFA Master for International Prayer, l'ancien Lion Indomptable, au travers de ce diplôme, pourra apporter son expertise dans l'administration et la gestion du football. Il fait partie des sélectionneurs dévoilés par le journal The Guardian Post. Numéro 4, Tom Saint-Fiet. Tom Saint-Fiet. Tom Saint-Fiet est connu comme l'ex-entraîneur de la Gambie. Il avait annoncé sa démission à ce poste de responsabilité alors que la Gambie s'était vue être éliminée de la phase de poule de la CAN Total Energy Côte d'Ivoire 2023. Le Cameroun envisage donc compter sur le sélectionneur belge de 50 ans pour combler les multiples attentes des fans de foot au Cameroun. Numéro 3, Achille Webo. L'actuel entraîneur du MKE Ankara Gücü, club de première division en Turquie, fait partie des autres anciens footballeurs actuellement dans la liste des remplaçants de Rigobert Song. Titulaire d'une licence d'entraîneur UEFA, il pourra ainsi apporter du nouveau à l'équipe nationale du Cameroun. Numéro 2, nous avons le sélectionneur Joachim Lau. Et enfin, numéro 1, nous avons Hervé Renard. Après José Mourinho, Hervé Renard est la plus grosse pointure que le Cameroun veut absolument porter pour mieux faire fonctionner son équipe ou encore remplacer Rigobert Song afin de répondre aux attentes de multiples Camerounais qui ont critiqué durant la Coupe d'Afrique des Nations la gestion de Rigobert Song à la tête de l'équipe nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre pour ne rien rater de l'actualité au Cameroun, mais surtout de nos prochains contenus. Au revoir.